There's something functioning and moving around on Il y a quelque chose qui est en train de fonctionner, qui est en train de boomer par-ci par-là dans les réseaux sociaux. And we have entered into a season Et where nous sommes entrés dans une serious. Saison où c'est vraiment sérieux. Whereby people are now saying où somebody les gens sont en train in America, de dire, a pastor, en Amérique, preacher un pasteur, in America, I don't know who I've watched je ne sais it, pas and saying, qui ça. Paying tithe qui est en train is, de dire payer is wrong. Ou donner sa dîme, c'est incorrect. Qui good, a regardé cette vidéo? Good. Someone has to stand and speak. Quelqu'un doit se tenir et parler There contre has to cela. Be a Peter to speak. Il doit y avoir un Pierre qui doit parler. Amen. But not to be quiet. Mais ne pas rester tranquille. So when I had it, Alors, I didn't want entendu, to go with the information. Je n'ai pas voulu aller par les informations I said, que let myself go on the Alors, video je me suis dit and listen que for myself. Moi-même écouter cette vidéo Sometimes, de moi-même, parce don't que de go fois, by the information you hear. Ne les réagissez pas par rapport à l'information que vous écoutez, go parce que to c'est the là point que vous of the program. Allez-y, listen au for but, it for yourself. Écoutez cela par vous-même. Now, when I listened to the video, Alors, quand j'ai entendu cette vidéo, the man of God l'homme de Dieu said, a dit, You should not pay tithe. Vous ne devez pas payer la dîme. Which is right. C'est qui est vrai. You should do something else. Vous devez faire quelque chose d'autre. Which I'm going to show you. C'est que je vais vous montrer maintenant. Paying. Payer. Shows that. Vous montre. It's like que you are bringing a salary. C'est comme si vous apportez un salaire. Unto God. À Dieu. Whereby you can't pay a salary to God. Ou vous ne pouvez pas payer un salaire à Dieu. And then he mentioned something. Il a mentionné quelque chose d'autre. Il a dit, in the New Testament, you're not supposed to pay time, but you're supposed to give God out of your heart. Mais nous devons donner Dieu en profondeur de right? du plus profond de notre cœur. Out of your feeling of your heart, then you can give to God. Du sentiment de notre cœur, nous devons donner à Dieu 10%, 15%, 20%, but you should not be obligated. Mais cela ne doit pas être une obligation. Okay. Il a reçu une révélation. But this is the problem. Mais ceci est le problème. Abraham gave also out of the heart. Abraham aussi a donné par ses sentiments. Isn't it? And he did coeur. Not read any place to do 10%. Et il n'a pas lu un endroit où il But était he was inspired 10%. By the spirit to Mais do il était inspiré par l'esprit de faire le 10%. In another word, en Abraham d'autres termes, was led Abraham était conduit by the spirit. Par l'esprit. Led by the spirit. Il était conduit par l'esprit. In Galatians chapter 5 Dans verse 18. Galates chapitre 5 verset 18. Hear me very carefully. Écoutez-moi attentivement. So that you may not be dragged by the wind. Afin que vous ne puissiez pas être emporté par la vague. 5:18. The Bible says, Galates but 5, if you are led by the Spirit, you si are not under the law. Vous n'êtes pas sous la loi. So if tithing is under the law. Alors si la dîme est sous la loi. Then what is it that Paul said Alors, to us about giving? Because Paul the one who spoke to us about giving, like Paul, the apostle, is not. Parce qu'il y a personne qui nous a parlé des. Honor. Honor l'Éternel. The Lord with your wealth. En lui. With the first fruits of all your crops. Put this in Amplified. Les prémices de tous tes revenus. Honor the Lord with your wealth honor and with the first fruits of your crops. Incomes. En offrant les prémices de tous tes revenus. Incomes. Les revenus. Incomes. Les revenus. Look at it. The Regardez word honor. Les mots honorer. The Lord with honor all. Le Seigneur avec with tout. With your wealth. In another word, avec tes biens, bring a part. En d'autres termes, apporte une partie. Of une your part wealth. Unto God as an honor unto Him. So, Apostle Paul. Alors l'apôtre Paul. Might not write necessarily. Ne peut pas écrire nécessairement. Pay your tithe because you don't pay your tithe. You honor God in the New Testament. Don't pay. Vous ne payez pas la dîme dans le Nouveau Testament parce que si vous payez les jours que vous n'allez pas le faire vous serez coupable vous serez coupable vous êtes esclave quand vous payez la dîme mais quand vous honorez vous êtes libre vous êtes un homme libre alors quand Jésus est en train d'enseigner lui enseigner dire dans cette génération de ne pas être un esclave au Seigneur mais honorer Dieu dans cette génération les gens sont en train de payer la dîme comme s'ils sont en train de se débattre de lutter contre quelque chose c'est quoi lutter en Swahili c'est comme s'ils sont en train de lutter avec Dieu alors quand vous payez la dîme de cette manière vous êtes sous la loi et non sous la grâce et vous ne pouvez pas attirer la bénédiction de cette manière vous ne pouvez pas
So when you strangle, alors quand tithe, vous luttez de payer la dîme, de like, donner hey, la dîme, if I don't do it, alors vous my êtes pastor will attack me. Si je ne le fais pas, le pasteur va m'attaquer. If I don't do it, si je ne le fais this pas, and that will happen si to va me. Because they taught me, if I don't do it, they will attack me. Si je ne they le fais pas, me. Va m'attaquer, on va me briser. I don't pay tithe, I honor donc God with my tithe. Donc je ne paye pas la dîme, mais je...